Donc Lisa est un logiciel qui permet de retranscrire du texte en langage des signes pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une partie des personnes sourdes et malentendantes qui ne savent pas lire le français. Donc nous, on se place sur, entre guillemets, ce marché-là. On va leur permettre simplement de retranscrire ce texte en le sélectionnant à la souris sur n'importe quel type de support, navigateur web, fichier texte, tout ce qui a un texte en français. Et il sera retranscrit directement en langage des signes par le biais d'un avatar en trois dimensions. Quand on a vu des statistiques, on a vu qu'il y avait à peu près 40% des sourds et malentendants qui ne savaient pas lire du tout le français. Et on s'est dit, mince, il faut absolument leur permettre d'avoir accès à l'information, naviguer sur Internet comme tout le monde et peut-être même travailler en entreprise. Donc on s'est dit, il faut sortir quelque chose pour les aider. Donc on a eu 9 étudiants, dont un qui est parti à l'étranger et une personne sourde et malentendante. Donc on a été partenaire avec TF1, qui nous a suivis dans le début du projet. On avait un étudiant qui était sourd et malentendant à 50% et il nous a donc aidé aussi à améliorer notre système et le rendre un peu plus compréhensible, on va dire, pour une personne sourde et malentendante. C'est innovant dans le sens où ça n'existe pas en France. On a créé un avatar simple d'utilisation, une sélection à la main d'un texte avec sa souris et c'est retranscrit en trois dimensions. Donc il y a un avatar en 3D qui va signer les signes, enfin signer les mots pardon, en français. On utilise des technologies qui sont libres, qui sont portables, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent directement sur les architectures Linux et Windows. Donc actuellement c'est le cas, Lisa fonctionne sur les deux architectures. C'est innovant dans le sens où c'est des technologies qui sont émergentes. On utilise une technologie qui s'appelle OpenSendGraph qui n'est pas encore aboutie à 100%, donc on est entre guillemets testeur sur la technologie. Donc ce projet nous a permis d'apprendre un peu de langage des signes français. On a appris certaines lettres, on a dû créer entre guillemets une bibliothèque de mots et donc bibliothèque aussi de lettres, de nombres, le tout en langage des signes. Donc on a une petite connaissance maintenant du langage des signes. Pour le moment, c'est un projet étudiant et on verra suite aux opportunités qu'on va avoir ce qu'on va en faire.